Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de The Iron House. On reprend notre aventure, et donc, on avait Willorgama qui était dans le mal. Mais justement, il y avait une petite fête, c'est la bonne occasion pour aller le faire se soigner et boire un coup. Donc c'est parti, on va jusque là, on va espérer qu'il ne va pas mourir sur un sale jet de dés. Mais normalement non, hein. Avant faut que ça s'aggrave. Donc, d'abord on va aller à la taverne. On paye un coup à tout le monde pour compenser les pertes entre guillemets de la dernière quête. Et on va aller à l'infirmerie. Donc Zikina, c'est parti. Et Willorgama, 21 jours. On a quand même un bon bonus grâce à notre réputation. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe au malus. Si on se déplace, on termine le tour. Vraiment, le pauvre, il traîne la jambe, quoi. Ok, on va aller rendre notre quête, voir si le noble tient sa promesse. Alors, après avoir un peu discuté, les gardes nous amènent à lui. Bien, vous êtes revenu. Regarde le voleur qui est entre nous. Et à côté des autres cadeaux, et avec plus de cadeaux que ce que je m'attendais, je vois. Je vois que vous avez fait plus que ce que j'avais demandé. Je suppose que je vais devoir augmenter la récompense en échange. Et puisque vous avez tenu votre parole, je vais faire pareil. Le roi pourra compter sur mon assistance dans cette rébellion. Excellent. Ah, on a eu 2 points supplémentaires. On va prendre ça. Et notre deuxième point, on va prendre. Est-ce qu'on prend des larges potions et tout? On va plutôt prendre ça. On va reprendre des popos et compagnie pendant les missions. Vu que c'est remboursé, ça ne coûtera rien et c'est pas si mal. Alors du coup, ouh, une grosse quête à 12 plus ici, mais on est déjà bien occupé, donc du coup on a terminé cette quête, on doit reporter au roi, et après, alors j'aimerais bien faire l'amulette là, mais bon, ça fait que 53 jours cela dit, vous me direz, hein. On va déjà aller rendre compte au roi, voir comment ça se passe sa rébellion, parce que c'est intéressant les quêtes un peu endgame comme ça là, on commence à rentrer un peu dans l'histoire du jeu. Alors, est-ce que le général Stertford ne nous rejoindra pas cette fois? Non, j'ai peur qu'il soit sur une mission plus importante. On est d'accord qu'il y a bien le roi, hein? Oui, il y a lui et sa sœur, ok, très bien. En effet, maintenant j'espère que vous avez des bonnes nouvelles pour nous. Oui, Lord Festric a accepté de joindre ses forces. Ça fait au moins une pièce, enfin, fait au moins une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Nos reports indiquent que mon fils a commencé à marcher vers nous avec ses forces. Malgré vos efforts, il a quand même une force formidable, avec des alliés clés à ses côtés. Heureusement, la taille d'une armée ne signifie pas grand-chose quand elle voyage. Ils seront étendus sur tout le long de la route et leur caravane, je pense qu'on dirait ça en français, leur train de marchandises, peut être facilement nettoyé par un raid. On est en train de préparer une petite force pour faire un raid de ce type. J'ai besoin que vous frappiez leur rang d'abord, en faisant distraction suffisamment longtemps pour que mes troupes repartent avec le loot. On ne fera pas gagner la guerre, mais ça va diminuer leurs ressources et leur morale, ce qui est la deuxième meilleure chose possible. Alors du coup, c'est nous qui prenons les risques en gros, quoi. Je ne peux penser à une meilleure que les suivants de Chobiti pour cette tâche. Parfait. Alors, c'est là. Alors, si on regarde notre timing. Ah, excellent. Si on meurt pendant cette mission, c'est un game over. D'accord. Donc, on est vraiment sur une quête principale, quoi. On est sur la campagne. Oui bah c'est logique, remarque, c'est le truc des Black Skull. On a 2180 jours, donc je pense qu'on va aller faire ça du coup. Pour cet épisode.
On va laisser tomber un peu de code, enfin tomber, on va mettre de côté on va dire la quête principale. Et on va faire un bon voyage de 2 mois pour faire notre petite amulette de résurrection. Alors, on fonce dans les Void Spawn. Oui, on fonce dans les Void Spawn, c'est parti. Alors, on a Eurik et Wallrested, parfait. Donc, en Wallrested, on a du coup un DPS corps à corps de. Enfin, ça c'est plutôt un DPS, on a un tank. On est sur du 12+. On va prendre Romemus ou. Non, on va prendre The Seed. Kaiser, c'est parti. Ensuite, on a le droit de prendre des popos. On va prendre ça. C'est parti. Pouvoir mettre des bandages sur éventuellement, on a des gens qui tombent à terre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un élite. Ici, on a un élite. Ici, on a une vétérane et un élite. Ok, donc les élites sont relativement loin. À la notable exception de celui-là, qui est un gros sac à PV. Donc l'objectif, ça pourrait être de se débarrasser des tempêtes rapidement, coller le tank là. Ah, il est où, Bourdaf? Je me disais, nous manque quelqu'un là. On vient se mettre dans la petite. Ouais, on vient se mettre là avec notre notre petit baladin là. Et après, on avoine. Dommage, il joue pas assez vite, il va falloir qu'on augmente sa vitesse à Kaiser. Démarrons comme ça. Donc c'est parti. On frappe. Ici c'est quand les ennemis se déplacent. Ils sont pas alignés, hein. Je peux pas mettre une volée, non, je peux pas mettre une volée. Non, on va mettre la triple flèche, l'objectif c'est de se débarrasser de lui rapidement. Se mettre là, on est parti. Une petite destruction. Est-ce qu'il est vulnérable au holy? Excellent. On va se préparer à lui bien le cogner. Essaye de nous attirer quelqu'un, j'ai pas vu qui. Alors toi, vas-y, va là. Mets-nous des flammes. Ah non, abusé. Celui qui nous buff quoi. En plus, elle l'a tiré juste hyper mal placé pour qu'on le. Pour qu'on l'avoine. Ok, on va finir avec celle-là, ça en fera déjà une de moins. Bon là il se soigne, pourquoi pas. Toi. Ah vas-y. On récupère de la radiance, ça va nous aider. Ouh, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de vitesse lui, tiens. Ils sont hyper rapides ces cons. Du coup, je voulais me mettre là pour. Et puis on va se débarrasser de lui parce qu'en plus il va essayer d'aller soigner ses copains. Ah, il a charmé The Seed. YOLO, ça devient critique là. Il va falloir qu'on se bouge là. Notre principal DPS qui est charmé, l'autre il continue de dormir comme un con. Il va falloir faire quelque chose là. Waouh, la triple attaque sur lui.
Ok, on a le bouclier, c'est déjà ça. On va aller dans son dos. Ok, là, on est pas si mal. On va aller se placer là pour immobiliser les deux, là. Et on va activer notre instinct de bataille avec Amino, il va falloir qu'il tanque un peu. Putain. Ah ça y est, elle est plus charmée, je me disais, je peux même pas l'attaquer pour la décharmer, mais non. Elle est plus charmée, alors du coup avec toi, est-ce qu'on a des choses intéressantes à faire? Oui. On peut mettre un petit Warden là, hop. Là on va soigner. C'est pas ouf 210 mais bon. Je vais pas le tuer s'il te plaît. Merci. Ok, c'est déjà ça. Alors. Week-end, target de défense moins 100. On va envoyer Aminou sniper un peu tout ça là. Ah non, il s'est fait endormir. Oh la vache, les sales bêtes là. Ok, là on a une belle volée à mettre par contre. Pas se gêner, on en élimine une déjà. Alors là. Résistent, non, ils sont vulnérables au lit pourtant. Plutôt par là. On a un bon pilier à mettre là, si on peut. Faut se réveiller à un moment là. On a besoin de vous. Hein. Ah putain, ils nous refont un Eluring Darkness là. Enfer, on va en éliminer un. Voilà. Ok, un petit 421 de soins, c'est déjà ça. Aminou, il se réveille toujours pas. Ah, là on a résisté. Excellent. Tac tac tac, je crois que j'ai une ici, mais c'est tout naze. Non, on va éliminer, on va se mettre. Ah, il me coince là, lui. Ici, et on élimine celui-là. On met deux flèches dans celui-là, très bien. Il nous a taunt, donc on peut rien faire. Je peux venir ici et mettre une attaque. L'autre a un énorme bouclier là, l'autre enfoiré là. Combien il fait? 400 encore de PV, waouh. Excusez-moi. Ok, on va le cerner. Et l'avoiner un peu. Il était mouillé donc il a résisté aux flammes. Allez, on aligne son bouclier, c'est toujours ça de prix. On va se mettre là et là. Flèche, une flèche, une flèche. Ok, ça passe. Wow, comment ça a été énervé hein. Le fait de se retrouver endormi et charmé, ça aide pas, on faut avouer. Bon, on a un level 4 ici. Tac tac tac. Travailler sur la heatwave. Ce serait pas mal, alors c'est pas facile de la caler, hein. J'ai du mal à la caler mais... Bon, l'évasion ça sert à rien, on va monter son critique.
Kaiser, il a pas eu son niveau, donc on va pas lui monter sa vitesse tout de suite. Ici, on avait le max. Ici. Ça, c'est pas mal, ça. Très peu de rigolo. Et là, accuracy, critical. On va monter sa vie, parce qu'il est quand même censé tanker. Allez, on est reparti. D'accord. J'ai couru de chemin, non? Intéressant, il a recalculé en passant par là. Rigolo. Parfait, ça a l'air plus calme. Ok, excellent. On arrive à la... l'amulette du phénix. Alors... Ok, on trouve une frise au-dessus du linteau de la porte de combattants et d'archers qui marchent en ligne. Le style est le même que ceux de la stèle qui nous a amenés ici. Je dirais qu'on est au bon endroit. Alors... Ok, donc on va avoir des morts vivants dans les combats qui vont sortir de leur sarcophage, excellent. J'ai cru voir qu'il y avait bientôt une guerre des nobles qui a démarré, très bien. Et par contre on a 3 random events qui sont révélés. On est sur du 16+, on va voir, attends, on va voir ceux qui repoussent là. Ok, donc là faut prendre les mecs énervés, il nous faut un tank, il nous faudrait un deuxième tank, on va prendre Zikina pour avoir le pitch lock, on a un field medic, un survivaliste. Un tracker, ça c'est parfait. Il nous faudrait un DPS de plus. Ah, ils sont un peu légers, hein. Au niveau 11 là, c'est un peu tendu. Je pense qu'on va prendre Wheeler Gamma. Quoi qu'un Pathfinder. On va prendre Shadazio. Alors c'est plutôt un buffer qu'un DPS, on a vu, mais. Enfin, ou en tout cas, il contrôle les foules. Mais ça reste quand même très efficace. Alors on va prendre de la popo, on a un fil médic, donc les bandages sont pas forcément un sujet, on va prendre une idole, deux tools, plus de popo. De la thune, ok, on rencontre des gens. Alors, on entre dans l'ancienne crypte, et notre torche révèle des gravures familières. Alors, j'imagine qu'on va vite savoir si la... ce qu'on a vu décrit était vrai en espérant que l'amulette soit ici. Est-ce que tu es volontaire pour la tester? Haha, non, certainement pas. Bravo, à l'état d'esprit. Ok, je pense que le combat est là. On va tenter. Ok, c'est un coffre. Un petit coffre, très bien. On va scout. C'est pas un combat, c'est une carte à l'entrée du donjon, excellent. Bon, alors du coup, entre les événements révélés aléatoirement, là-bas on a un truc, ici on a... Ok, le boss est là, on a un combat là. Là c'est coincé, si on veut y aller on est obligé de passer par ici, on peut faire le tour, on peut aller chercher les traces là. Faire le tour, revenir là, faire ça. Allons-y. Ok, on a nos 3 combats, excellent. Espérons qu'on arrive du bon côté. Alors, on trouve un passage étroit qui amène dans une autre chambre. Au centre, il y a un petit étang avec de l'eau frémissante qui coule lentement d'un passage au-dessus. Alors, à moins que mes connaissances ne se trompent, je pense que cette eau a des propriétés de soins. Ok, on boit l'eau. Et on a notre vie qui est restaurée, ce qui ne nous sert pas à grand-chose. Du coup on va faire demi-tour tout de suite, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Ok, on n'a pas trouvé la clé, donc on va forcer la serrure. Hein. Un truc de durabilité et immunité to sleep. Alors jusqu'à peu je disais que l'immunité est pas ouf, mais alors clairement quand on a vu comment ça nous a foutu dans la merde dans le combat d'avant. Là on va juste... activer la case pour avoir le bonus de case. Chercher ici, après on va là. On prend notre premier malus.
Ok, on peut plus esquiver ou faire des attaques d'opportunité. Cache. Hop, on prend des pelles, on passe. De toute façon, avant les combats finaux, on fera le campement, on prendra les bonus cette fois, on va pas. Alors, on a un vieil homme qui est mort face contre terre. C'est pas tout de suite évident comment il est mort. Mais il est plus vieux de dizaines d'années de ce qu'on pourrait s'attendre à rencontrer dans un donjon. Il n'a pas d'armes, apparemment rien de valeur, juste une note qui est dans sa poche. Two Heart Shield. Alors, bonjour aventurier, que vous m'ayez massacré ou que vous soyez tombé sur mon corps par chance, félicitations. J'ai vécu une vie pleine, défendu mes amis et ma famille pour voir leur futur, comment fleurir. Venu dans ce donjon pour ma dernière, pour souffler mon dernier souffle d'une manière ou d'une autre, mais avant de le faire, j'ai caché mon seul trésor matériel, donc True Arc Shield, le bouclier du véritable arc, un truc du genre. Mon espoir est que un brave et honorable héros pourra l'utiliser pour s'assurer que les personnes qu'il aime vivent aussi longtemps que j'ai vécu. Plus d'une centaine d'années. Très bien. Et si vous êtes vraiment très chanceux, bah vous le pourrez aussi. Et on a une deuxième quête légendaire. Excellent, donc on commence à avoir suffisamment de niveau pour qu'il y ait des trucs avancés qui pop là. Alors ici, un petit coffre, ok, très bien, parfait. Est-ce que je ferais pas le combat tout de suite avant qu'on ait potentiellement des trucs pourris? Oui, on va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a embûche les ennemis, excellent. Visiblement, ils sont tous là. Ouais, et c'est que des trucs qui repoussent. Ce qui est extrêmement chiant. En plus, il y a de l'élite. Bon, sans surprise, hein. Bon. C'est pas cool. Et on commence hyper loin en plus. Non, on peut commencer un peu par là. Ok, je pense qu'on va commencer un peu par là. C'est parti. Ouais, 50% de dommages si je vais là. Les placements sont pas dingues, on va pas se mentir. On va se mettre là, puis on va commencer à boiner de la flèche standard, tant pis. Alors si je me mets ici, est-ce que je peux mettre mon truc qui fait un arc? Non, hein, c'est deux cibles côte à côte, donc ça ne sert à rien. Par contre, je peux me mettre ici et balancer mon petit truc qui fait de la peur. Ça, c'est excellent. Toi, tu peux venir là. Freeze celui-là, histoire qu'il nous emmerde pas trop. Ensuite on va ici. On avoine celui-là. Et alors eux, vulnérables au froid, résistent à la lumière, oui. Ça va pas être forcément idéal du coup. Un petit critique, ça fait quand même plaisir. Repousse. Lui, il a peur, il se casse. Alors, putain, on a des trucs qui vont se passer juste sur nous là? Ah non, pas que sur nous. Et d'ailleurs, où sont les coffins? Il y en a un là. Et c'est tout globalement. Ouais, non, je fais 50% de dommages si je me mets là, mais je peux pas me mettre assez proche. J'aurais bien voulu taper sur lui pour qu'il tombe dans le trou. Tant pis, on va le faire. Je sais plus si c'est possible en vrai. Ici. On cogne avec ce qu'on peut. C'est-à-dire pas grand-chose malheureusement.
Lui va probablement descendre, encore que il peut faire quoi là? Allez, on va dans son dos, on va commencer à cogner un peu. Alors, on va rien leur faire avec du light, c'est chiant. C'est vrai que quand on les tape pas, ils se soignent en plus. Ouais, donc il faut qu'on se focus quoi. Parfait, c'est bon à savoir. Rien de moins. Autrement que focus, on peut aussi avoiner. Hein. Ça fonctionne. Lui, il a plus peur. Là, il faudrait qu'on s'extrait si possible. On va venir ici. Parfait. Parfait. Alors ici, on va se mettre là, comme ça s'il nous repousse au moins, ça sera dans le bon sens. Ouais, pardon. Sauf s'il nous fait ça bien sûr. Ça, ça pique ça. Elle joue quand? Ouais. On a personne d'autre vraiment qui soigne. On va aller à côté, tant pis. Popé. Alors attendez, non, parce qu'après c'est lui qui joue, donc lui serait mieux pour le faire. Toi. Tu vas aller là. Avoiner celui-ci. Parfait. Ah non, on n'a pas de mouvement. On n'a pas le mouvement, sérieusement. Bon, tant pis. On va faire ça en un tour du coup. Tant pis, je pense, j'espérais la soigner, mais... tu peux te soigner, cela dit. Vas-y. Fais-nous un beau critique. Nickel. Avec les trucs qui repoussent... ils font mal, hein. Mettre là, on va balancer une volée. Un de moins, ok, parfait. Ils font tellement mal, putain. C'est abusé, quoi. Ok. Faut cramer de la comp, là, parce que de toute façon, sinon, on s'en sortira pas. Je vais m'éloigner un peu, go. Allez, un de moins. Déjà on va être moins cerné. On lui fout le feu. On a un mort-vivant qui est apparu là-bas, mais bon c'est presque secondaire j'ai envie de dire. Notre morale se maintient, c'est plutôt pas mal. On va se débarrasser de lui direct, il nous emmènera moins. Voilà. On contourne les flammes, on le tue pas parce que bah il a son truc. On est immunisé à être repoussé, hein, donc on tombe pas sur ça, c'est déjà bien. Et on se débarrasse de celui-là. Ok, ça picote. Alors, 75 dommages en moins des attaques d'opportunité, immunité to push and pull. Ouais, ça c'est pas mal, on a vu que là ça nous aiderait bien dans ce contexte. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre sur quelqu'un? Non, tout ça c'est de l'arme unique donc c'est déjà blindé, toi t'as déjà ce qu'il faut. Toi ça te ferait pas de mal, on peut le mettre sur quoi? Une armure, ah oui. On lui avait mis le mouvement plus sain là. Éventuellement sur toi. Immunity au taunt et 75% de dommages des targets basés d'attaque. On va lui mettre ça plutôt. Est-ce qu'on peut remplacer? Yes, on peut remplacer. Parfait.
Très bien, bon, c'est reparti par là. On trouve la clé, excellent, un piège. On s'en tire. On va aller voir le petit truc ici. Une idole. Alors, on a un damage shield de 200 pour le prochain combat. Excellent. Excellent, excellent. On passe par ici et on est reparti. Deuxième malus. Ouf, on perd 35 de morale. Waouh, ça pique. Alors, la question étant, est-ce qu'on part par là-bas ou est-ce qu'on campe avant? On va grider, on va partir par là-bas. On va devoir désamorcer ce piège. Ah putain. Tente. Ok, visiblement on peut pas tomber en bleed out grâce à ça, elle a perdu que 81 de vie. Sorry everyone, ouais tu peux ouais. Le parchemin de pénétration d'armure. Bon, il va falloir qu'on aille camper là clairement. Alors, on a 18, on prend la vitalité, on prend la stamina, on prend le moral, clairement. Alors ensuite, en fusion, on restaure tous les bleed out. Mais on perd 25 HP, ouais, pourquoi pas. On gagne double XP pour le reste de la mission, il y a deux combats à faire, hein, donc c'est quand même pas mal. Les blessures stabilisées, c'est bon. Diviser le moral, c'est pas trop le sujet. Deux morts scouts. Non, je pense qu'on va prendre ça, quitte à perdre 25 de vie. Et un peu plus de morale et du double XP. C'est parti. On est mieux, c'est pas encore dingue. On va prendre une petite popo là, ici. Et on est parti pour ce combat. Ok, principalement du chien cette fois. On a un bon spot de déploiement là, excellent ici en termes de dégâts. Là. On va te mettre ici direct en Overwatch. Alors, qui va jouer en premier? Toi. Ensuite, on te remplace par Eric. On allume ces deux-là, là. Et après, on s'occupe du reste. Tous ces deux-là. Il y a un élite, là. 446 PV, lui, à 828, peut-être plutôt là. Ok, c'est parti. Donc, déjà, toi, tu vas filer un coup de main au fight. Critique. Et B, très bien. Bah, fantastique, excellent. J'ai envie de vous dire. Très très bien, vas-y viens là. Freeze celui-là. Ah et du coup j'ai pas la place pour venir là malheureusement. C'est pas grave, on va venir sur le côté et on va lui cramer la tronche en profitant de la double attaque. Et là par contre on vient là. Et on avoine. Ok, bon bah 3 morts sur le premier round, c'est plutôt pas mal. Hein. On a notre bouclier en plus qui nous aide là pour commencer le combat. Oula. Ça c'est moins cool par contre. Ok, viens là. Pète des fesses, très bien. Toi tu vas venir... L'idéal ce serait que tu viennes là mais passant par les flammes c'est un peu con. Non, tu vas venir là et tu vas faire un perçage comme ça. Et on l'immobilise donc il va se prendre un truc. Toi il faudrait que tu bouges un endroit où tu peux, genre là, et tu désactives ce truc. Voilà, en faisant des gros dégâts. Comme ça derrière on leur met un petit pilier infernal de 3 de long. Parfait. À ton tour. Non, tu vas plutôt aller chercher lui. Parce que eux, ils aiment pas le... Oula. Le critique. Ils aiment pas le... Comment ça s'appelle? La lumière.
Alors, faudrait que tu viennes là, tu nous finisses celui-ci. Il est pas mort sous le... sous la charge là, mais ce n'est qu'une question de temps. Excellent, et ils ont même pas eu le temps de popper les cadavres dans leur sarcophage. On est bien à 45 sur 46. Bon bah voyons voir cette amulette. Alors, un piédestal gravé dans la pierre se tient au milieu de la pièce. Les marques sur le mur suggèrent que c'est une pièce de quelque importance. Peut-être pour des cérémonies ou des rituels. Donc Alaric s'approche du piédestal, mais il s'arrête brutalement parce qu'il y a une figure menaçante qui est apparue. Cette amulette n'est pas pour vous, voleur. Poussez-vous, spectre. Votre peuple est mort depuis longtemps. C'est facile de voir que personne d'autre n'aura l'utilité de cet objet. Non, il n'est pas fait pour vous. Ok, visiblement, il nous en veut. Et il a appelé ses copains à la rescousse. Bah, vu comment on se déploie, on va se tabasser elle, hein. Très clairement. Alors en termes de mouvement, toi il faudrait que tu sois tout devant si tu veux l'atteindre. Ouais, toi c'est trop loin pour toi déjà. C'est pas cool. Les tireurs, je doute pas trop qu'il y aura du problème. Ils sont vulnérables au feu, donc on va plutôt mettre lui devant. Normalement elle a son truc de distance elle. Alors c'est parti. On va se mettre en Overwatch. On entame un peu. Et c'est l'Overwatch qui fait le plus de dégâts. J'aime pas regarder les blessures d'ailleurs. 20% de chance de perdre un tour quand on la touche, ok. Et là, mêlée attaque, 10% de dommages en moins. Pas de bol. A affaibli, pourquoi pas. On va se poser quelques boucliers. Vas-y, viens là. C'est une élite, donc on va lui cramer la mouille. Toi, tu viens là et normalement. Ah non, il te faut un angle pour ça. Alors, si tu te mets ici. Excellent. Un petit critique. Plus l'Overwatch et on est bon. Des renforts, parfait. Waouh, beaucoup de renforts, 3 renforts. Ils sont nombreux là. Hein. Ils sont très nombreux. Les renforts arrivent dans un tour. Du coup, on va se placer par ici. On va repartir en Overwatch. On va se mettre devant pour protéger, prendre notre petit buff. Parfait. Moins parfait ça par contre. Ouais, là il nous a chopé là, c'est pas cool. On va remettre du bouclier. Zikina elle est déjà protégée, on va mettre sur toi et sur nous-mêmes du coup. Toi tu pourrais rester ici. T'occuper de ces deux-là. Non. Qu'on aille protéger là. Hop là, un petit critique, parfait. Alors là, toujours le problème, hein, il wait et après il joue, donc. Oh non, il nous a mis peur sur les deux là, là. Ça a annulé son bouclier instantanément, la peur. Waouh! Comme ça fait mal. Ouais, ils ont tous joué du coup.
Aïe aïe aïe. Ok, on a résisté à la peur. Excellent. On peut faire ça, on peut sortir de la situation là, mais c'est pas hyper pertinent. Faut monter le DPS, on va faire du dégât. Voilà, un petit critique, on en a presque tué un. Si elle pouvait résister à la peur là. Elle joue tellement vite, saloperie. Zikina, t'es un petit peu dans le mal là. Elle a résisté à la peur, excellent. Est-ce qu'ils sont immunisés à la peur? Immunité à la peur, ouais. Pas tous, hein. Ok, donc on est parti pour ça. Là, on va faire un bon truc de zone. Nickel. Lui, on va le freeze. Et merde, il est immunisé au freeze. Donc on va pas le freeze. Eux, ils sont pas bien placés pour qu'on touche les deux, c'est dommage. On va allumer celui-là, c'est le plus dangereux, je pense. Là, il nous faut un soin massif. Ouais, moyennement massif. Bon, ils ont tous peur, donc ça va aider. Allez, enfuyez-vous. Oh putain. Ah non. Sérieusement. Il va-t-il invoquer ses petites lames pour nous coincer? Putain, quel enfer. Et là, ici, ça fait peur. Ok, on est à terre, on plante sous le truc. Ah, quel enfer. On peut pas passer là. Si je me tire, je prends des dégâts. Et puis on va tenter ça. Puis on va accepter de prendre la caillasse, pas le choix. Ok, quête légendaire. Qui va pouvoir faire quelque chose? Tain, on peut pas passer là, on peut pas l'aider, elle est complètement coincée. Éliminer deux trucs comme ça, tant pis. Alors je peux essayer de la sauver en la relevant. Mais elle a déjà joué donc Et beaucoup trop tard, non elle va se refaire, on va défoncer. Je crains que ce ne soit la fin de Zikina. Oh, ils sont tellement nombreux, avec les renforts en plus quoi. Purée. Ici on est stun à cause de la caillasse. Là-bas on est apeuré. T'as sent la merde. En plus ils se mettent des boucliers dans tous les sens. Ok. Allez, un critique, c'est toujours ça de pris, on va peut-être pouvoir en tuer un. Ici on a résisté à la peur, excellent. Lui balancer un pilier infernal pour se débarrasser d'au moins un, ça en fait deux de moins. Allez. De l'autre côté, on a Romumus qui va probablement manger chaud. En plus elle joue direct donc elle va prendre des bleed out. Non bah du coup on va même pas pouvoir la relever. Oh l'enfer, sérieusement quoi. Là, je peux pas m'éloigner, si je peux swap ici. 210 de bouclier ils ont. Oh putain. On va se débarrasser de celui-là. Quasiment mort, excellent. Bon, c'est un critique, on a gâché une attaque entre guillemets, mais tant pis. Si je fais ça, je le repousse. Ce qui est pas hyper intéressant dans le contexte. Si je fais ça, je le crame. On va lui mettre du burn à lui, histoire de commencer à lui mettre un peu d'attrition. Allez, relève-toi Romumus.
600 de soins, c'est pas mal. Oh non. Oh, le terrorisme, mais sérieusement. Oh, c'est abusé. Le coup du Iwa était après les attaques, mais... Et en plus, on prend des critiques. Parfait. Mais tu viens de jouer, toi. Pourquoi tu rejoues, sérieusement? Enfin, c'est quoi ce délire, là? On a tellement de morale qu'on joue tout à la fin maintenant, donc en gros ils jouent, ils attendent, ils jouent d'un coup, ensuite ils rejouent d'un coup, parce qu'ils jouent au début du tour. Et nous on se retrouve totalement niqué quoi. Bon, au moins SR plié. On va utiliser notre dernier bouclier. Ici on va se mettre là pour balancer un petit pilier infernal, diminuer un petit peu le DPS si on peut. Ils veulent pas les taper sur sur les spectres plutôt, non? Ce serait bien. On est cerné là, donc on va prendre hyper cher. Qu'est-ce qu'il a fait là? Waouh, 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 waouh. I wait. Ok, alors attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Void Shroud, il clean les debuffs et il devient invulnérable à tous les dommages. Ah d'accord, mais oui, mais parce que pourquoi pas? Après tout. Ok, là faudrait plutôt qu'on se mette. Si je me mets là, il va pouvoir venir me chercher de toute façon. Je prends une attaque d'opportunité, on s'en fout. Merde, non, je suis tombé à terre. Très mauvaise idée. Pareil ici, on va en prendre une. On va essayer de relever. Bon, c'est pas dingue, hein, faut pas se mentir. Ici, on peut balancer un peu de d'attaque de zone. C'est parti. Putain, on a aucun moyen de sortir, quoi. Là on est d'accord que on shield les adjacents alliés, donc tant qu'on en a pas, ça ne sert à rien. Un petit critique, on arrive quand même à faire des critiques malgré notre morale bas, ça c'est plutôt bien. On l'a aveuglé mais il s'en fout. Hein. Ok, donc déjà là on est bien, ah la vache, le critique, ça pique. Ouais, tous les malus qu'on a quoi. Ça fait tellement mal. Putain, c'est nul. Vas-y, fais ça. Ici, on va mettre un piège en espérant qu'il passe par là. Et on va continuer de les cramer. Oh non, mais fais pas des critiques quoi. Et non, merde, il va là-bas. Raté. On a plus ce truc là. 40% de notre santé max si on fait ça. Pourquoi pas. Si on pouvait déjà se débarrasser de lui. Oh non, il nous a invoqué des épées quoi. Putain. Du coup, son Overwatch n'aura servi à rien. ...58% de chance de toucher, 63 ici. Allez, on tue celui-là. Il nous a fait peur là, et en plus on marche sur notre propre piège. Bah, excellent. Alors ça c'est la fin ça, clairement c'est la fin. Là la peur et on marche sur le piège, on va être freeze en plus juste après. Freeze et en bleed out, clairement c'est la fin.
Ok. On tombe à terre. Bah, relève-toi, écoute. On a trois trucs plus le saignement. Ah, la vache. C'est la mort. Aller le relever lui techniquement, je suis pas convaincu, je vais me mettre ici, mais si je me mets là je suis plus attaqué celle-là. Ah putain, j'ai aucun moyen de me mettre bien pour faire des DPS intéressants quoi, il me coince de fou. Si peut-être là. Ah, attendez, si je me mets ici, je peux au moins mettre ça. Bon, ça fait des dégâts qu'on va qualifier de relatifs. Alors si je fais ça. Ouais, donc si je fais ça, je le défonce, donc ça ne sert à rien. Il va crever. Un bleed out point, on va perdre Rick. On va essayer de le soigner, qu'il se relève. Bordel, hein, ce combat. Attendez pas à ça, j'avoue. On est sur du légendaire, c'est mérité quoi. Purée. Alors, est-ce que je peux me placer de manière intéressante? Je peux me mettre là et balancer une volée. Un petit critique, non, même pas, dommage. Ah, tout ce que je peux faire c'est ça, sinon je prends des dégâts de toute façon. I need more time. Ah putain, il a raté son tour à cause de son moral quoi, sérieusement. Ça te semble être le bon moment pour ça là? Sans déconner. Vas-y, on va prendre la place. On va cramer la tronche avec notre dernière attaque de zone. On lui veut pas crever. Pff, putain, il nous met l'affaiblissement partout quoi, quel enfer. Bon, on va déjà se débarrasser de lui avant qu'il réapparaisse. Bon, ça va peut-être pas le coup de faire un critique, mais c'est toujours ça. On se débarrasse de elle et nous esquive, sans déconner. Vas-y, viens là. Crame-leur la tronche. Viens là. Finis-en avec celui-là. Faut faire quelque chose là. Oh non, mais sérieusement. Bon, eux ils sont résistants au froid, donc on va essayer de se focus. Essayer de se mettre là, voilà, comme ça. Plus d'esquive pour la matriarche. On l'avoine. On l'avoine. On se rapproche. On allume. Ah, j'aime rester une triple flèche, j'aurais dû la prendre, tiens. Là il nous esquive parce que pourquoi pas, on va se mettre ici comme ça on pourra la cerner plus facilement. Voilà, plus d'esquive pour toi. On va pouvoir te contenter d'encaisser. Bien gentiment. Waouh, la violence. Bon, on trouve un méga bâton. Immunité au marquage, et quand on garde, on réflexe 150% des dommages. Bon, il est pas ouf par contre au niveau de ses bonus. Et on a un parchemin de vitalité, mais on a perdu Zikina.
combat clairement pas simple. Alors, du coup, on trouve une petite amulette qui ressemble à un phénix. L'amulette du phénix. Est-ce qu'on va pouvoir s'en servir pour ressusciter Zikina? Notre équipement a été cassé. Ah. Ah oui, on a en plus on a de l'équipement. Ah bah c'est celui de, c'était celui de Zikina qui est cassé. Okay. Bon, logique, en même temps, elle s'est un petit peu fait taper dessus, on va dire. Alors, l'amulette du phénix, c'est la première fois qu'on trouve une amulette. Alors, 5 d'évasion, 1 de mouvement, 2 de speed, protège l'utilisateur de la mort et à la place restaure sa santé et ses bleed out points, détruisant l'objet dans le process. Ok. Ok, bah du coup on va arrêter l'épisode là parce qu'il est beaucoup trop long, mais le combat j'avoue, je m'attendais pas à un truc aussi épique. Donc bah du coup, désolé pour Zikina, il va falloir qu'on aille soigner un petit peu aussi les blessures rapidement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit message et je pense que j'arrêterai la série là. Le jeu est vraiment très sympathique, mais on a quand même plutôt bien fait le tour et j'ai pas envie de repartir à reconstruire des équipes, etc. Enfin, j'ai pas envie. Ça, si, pourquoi pas, mais ça va être un peu fastidieux à montrer au bout d'un moment. Donc, du coup, si ça vous intéresse que je continue, si vous voulez voir un petit peu plus de endgame, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.